الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله حبيب الله رسول الله صاحب الخلق العظيم رحمة المداس للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين والصحابة الكرامين. أما بعد، كما هي عادتنا في هذا المجلس الكريم نتدارس إياكم حديثا أو آية مع التفسير. Donc, comme chaque vendredi, nous étudions ensemble soit un hadith, soit un verset, avec toujours les exégèses, tu sais. Pour ce qui est du Coran, on a choisi tu sais, le Moutour, avec le Qurtubi, et pour ce qui est du hadith, on étudie son sanad, c'est-à-dire la chaîne d'authentification, et le matn, c'est-à-dire le contenu et les implications. Donc, c'est très important de comprendre que nous faisons tout cela pour avoir une meilleure compréhension de notre belle religion et être, inshallah marahim, armé par la science contre toute manipulation, instrumentalisation de notre belle religion pour des fins terrestres. الجمعة اللي فاتت عرفتوا كنا شفنا آية الله عز وجل اللي هي حقيقة إعجاز علمي في الوقت على قضية السرعة قبل أن يرتد إليك طرفك. لا 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 سمين دانية on avait vu le verset coranique qui était carrément un miracle aux yeux de la science. Cette question de vitesse qui est inférieure au clin d'œil. Et on avait vu effectivement les secrets de cette science venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, alladhi indahu ilmul kitab. Et aujourd'hui, donc, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam que nous allons voir ensemble. Le hadith an Abi Muhammad al-Hassan ابن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالصدق طمأنينة والكذب ريبة صححه الترمذي ورواه كذلك l'imam Ahmad ou Nasa'i Bilfadi. Donc le hadith d'aujourd'hui, il est rapporté par Abu Hassan, Abu Muhammad, c'est l'imam Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, bien-aimé du dernier messager, et son petit-fils, qui nous dit, j'ai appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui suit, laisse ce qui provoque en toi du doute, pour ce qui ne provoque en toi aucun doute. La véracité est un apaisement, une quiétude, et le mensonge est un doute, un trouble, authentifié par At-Tirmidhi, rapporté par lui, hadith numéro 2520, et par Nasa'i, 8327, et par Imam Ahmed, 1 sur 200. Oualan, waqbla kulishi, kalimat fil hadith. D'abord, les mots utilisés dans ce hadith. « Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka » ou « Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka » Yajuz l'ujah. Yajuz l'raf'u, yuribuka. Ra'bahu, yuribuhu, thulati. Wa fathu l'ya, kadalik yajuz. لأنه من بفتح الياء وتضم الياء لأنه من أرابه يريبه من الرباعي كذلك يعني الريبة يعني شك. Tout d'abord les mots utilisés dans ce hadith, le mot riba qui se traduit en français par doute, nous allons voir ses implications et ce que veut dire le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith qui est classé dans les hadiths les plus importants de la tradition.
de la tradition. La tradition complique seulement la ressource locale. كما قال العلماء هو هنا هو من الاحاديث اللي كتصنف في عمده الدين عمده الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البريه الى اخره اولا لو رابورتور دو سو حديث الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم notre prophète عليه الصلاه والسلام toute évidence, il nous a incité à aimer ses proches, et notamment ses deux petits-fils, Hassan et Hussein. Cet amour de Ahlul Bayt, c'est pas du tout une spécificité chiite, pas du tout. C'est dans le cœur du sunnisme authentique. Comme a dit le Bukhari, "Mahbatu Ahlul Bayt, ليست من اختصاصات شيعة أبدا. هي في قلب في الصميم عقيدة أهل السنة والجماعة لماذا؟ قل الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى déjà comme je l'avais déjà précisé dans un dars spécifique et dédié à cette question de l'amour des gens de la famille du prophète et de sa descendance. Allah subhanahu wa ta'ala déjà dans le Coran nous dit je ne vous demande aucun salaire pour ma mission si ce n'est l'amour de mes proches. Il est là-haut de ça, c'est le Coran. Donc c'est une injonction coranique. Et on a plusieurs hadiths qui nous appellent à aimer la famille du prophète et ses épouses qui sont nos mères. Ses petits-fils, ses oncles qui ont cru, bien sûr, et leurs descendants parmi les plus vertueux. Sidna al-Hassan ou Sidna al-Hussein, bien sûr, à propos de ses deux petits-fils bien-aimés, il y a eu des hadiths authentiques, explicites, montrant leurs privilèges et incitant les croyants et les croyantes à les aimer, à les respecter. Et c'est logique, évidemment, parce que quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas ne pas aimer, ne pas respecter ses enfants, ses petits-enfants, sa descendance. C'est la logique saine. Si tu aimes le prophète, tu dois aimer sa famille bénie. Ce n'est pas logique d'aimer de prétendre aimer le prophète, alors que tu n'aimes pas, ou tu ne peux pas aimer, ou tu manques de respect à sa famille. C'est illogique. Si toi-même, tu as un enfant, tu n'aimerais pas que quelqu'un dise du mal de cet enfant, on est d'accord. Voilà. Ça coule de source, comme dirait l'autre. Mais parfois, dans notre monde d'aujourd'hui, même les choses qui sont très très logiques deviennent parfois bizarres et source de questions. Voilà. Idem, Sidna Rasulullah s'estama, qala an Sidna al-Hassan, ibni hada Sayyidu, wa sayyuslihullahu bihi, bainati atayni amin. Il a qualifié Sidna al-Hassan, son petit-fils, de Sayyid. On avait dit ce que ça veut dire Sayyid. Sayyid, ça se traduit en français par seigneur ou maître. C'est-à-dire qu'il a une grande valeur, qu'il est une référence. Et Allah va réconcilier grâce à lui entre deux groupes belligérants, deux grands groupes. Bon. Évidemment. Le prophète, alayhi salatu salam, embrassait, cajolait Sidna Hassan al-Hussein, il les mettait à côté de lui. Une fois, il était dans la prosternation et Sidna Hassan al-Hussein était sur son dos. Il n'a pas voulu se lever de la prosternation jusqu'à ce que Sidna Hassan al-Hussein finisse ce qu'ils avaient à faire, etc. Donc, il les prenait dans ses bras. Il disait à ses compagnons, celui qu'il aime, ces deux-là. Très important. Et donc, Sidna al-Hassan, le prophète al-Hassan a dit de lui en plus qu'il va réconcilier entre deux grands groupes. Et c'est exactement ce qui s'est passé après sa faillite, la bataille que son père, Sidna Ali, avait menée contre Fi al-Bahriya, contre la partie ou le groupe qui ont été injustes. Eh bien, Sidna al-Hassan, après l'assassinat de son père Sidna Ali ibn Abi Talib,
il a décidé, alors qu'il avait la puissance, il avait les armées des compagnons avec lui, il a décidé d'arrêter les hostilités, d'arrêter les combats, de faire la paix. C'est là pour arrêter la profusion du sang. Bien qu'il était le plus méritant de la khilafa, il a cédé la khilafa à quelqu'un qui était, on va dire, moins méritant que lui. Mouawiyah ibn Abi Sufyan. Il a cédé. Il dit, tiens, tu ne montes, vas-y, je te la laisse. Le pouvoir, vas-y, prends-le. D'accord. Et ça a été appelé Aamul Jama'a, l'année du groupe. Et ça, ça montre la grande station de Sidna al-Hassan, son abnégation. C'est-à-dire que son cœur n'était pas attaché par ce bâmond. كيفاش انه كيتعلق بالله عز وجل ماشي فقط الدنيا الفاني كما قال سيدي ابن عاشر وعلم بان اصل دلافاتي حب الرياسه وطرح الولايه ما كانش فيه حب الرياسه ما كاينش هاد حب الرياسه اللي كيجعل اليوم الناس تقاتل والاب يقتل والد والولد يقتل با الى اخره سيدنا الحسن تعالى عن ذلك فاحب ما عند الله اثر ما عند الله et donc la préférée privilégier ce qui est chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a préféré cultiver la paix et ce fut appelé l'année du groupe. L'année du groupe. Il y a eu, alhamdulillah, la paix, la réconciliation. Très bien. Sidna al-Hassan, il était évidemment petit quand le prophète Hassan était vivant. Et malgré cela, il a appris de son grand-père, Sidna Muhammad Kassama, en direct. Comme on a dit la dernière fois, le meilleur entre vous et le meilleur envers sa famille. Le prophète Hassan était le meilleur envers sa famille. Donc, évidemment, ça commence par les instructions. Sa famille, évidemment, a bénéficié de ses lumières, de ses instructions. Et Sidna al-Hassan a partagé avec nous cette instruction lumineuse, précieuse, qui est Da' ma yuribuka ou ma yaribuka. Qui m'a rendu la tête de Jésus Khira Hassan. Il a ma la yuribuka. C'est trop pour Nina ou Kadiboli. Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne provoque pas. Okay. Les savants ont détaillé ce hadith sur plusieurs livres. Des livres. Des écrits sur ce. Pour nous parler de la bonté du scrupule. Jamal al-Wara. Fikoul al-Oma. Première remarque. L'Wara, ce qu'on appelle le scrupule, on l'applique à soi-même. On ne l'applique pas aux autres. Quand on pose une question à un mufti, c'est-à-dire quelqu'un qui est qualifié pour répondre aux questions religieuses, normalement, il doit vous répondre en optant pour l'avis le plus facile pour vous. Lina, Isiru, Wala tu es Isiru. Ça, c'est vis-à-vis de vous. D'accord ? Il opte pour l'avis le plus facile pour vous. Et quand il s'agit de lui, il va choisir ce qui est plus scrupuleux pour lui. C'est maintenant. La loi a même si. Ou tissir, ma riri. D'accord, le hakhat omo. Kemal l'imam. Il dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il في الركعة الأولى ويزيد عليها الإمارات في الركعة الثانية ماشي مشكل شغلو هذا كيفاش كيصلي لكن منين يكون مع الناس كيخفف يخفف لأن فيهم المريض وذو الحاجة والعجوز وإلى آخره والمرأة اللي عندها بنية كيتسناها إلى آخره هذا هو سنة الحبيب المصطفى ما عكسوهاش نعم هو سنة الحبيب هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيأمرنا كيأمر الصحابة ديالو مع نفسك مع غيرك ما عندكش شغل كاع الى عندك المقام ديال الورع دع ما يريبك الى ما يريب واتقي الشبهات هنا كان هذا الامر للند et donc tout d'abord je disais cet ordre là il est pour le net c'est quoi le net c'est à dire c'est pas une obligation
c'est quelque chose de méritoire. C'est-à-dire, il est mieux pour toi de délaisser les choses sur lesquelles tu as un doute pour ce qui ne provoque dans ton cœur aucun doute. Le scrupule, de toutes les façons, c'est une valeur. Un état qui peut devenir une station. Qui est dû à ton cheminement spirituel personnel. Chacun a un degré de scrupule différent. On ne peut pas imposer à tout le monde la même chose. D'accord ? Toi, tu as choisi de suivre tel avis de tel savant qui te semble un peu plus scrupuleux. L'autre, il a décidé de suivre l'autre avis qui est moins scrupuleux, mais qui est plus facile pour lui à appliquer. Tu ne dois pas blâmer l'un ou l'autre. Tu dois respecter cette divergence. Là, et quand Rafim Asselin, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de divergence dans les questions à divergence connue entre les savants. C'est la première chose. Deuxième chose, très importante. Dans les usul, dans les fondements du droit musulman, on avait dit, en plus des deux textes scripturaires, Qur'an ou Sunna Sahiha, avec les modalités évidemment de compréhension de ces deux textes, on a le qiyas, l'analogie, on a l'ijma, l'unanimité ou le consensus, et on a 17 sources secondaires qui ont été le fruit de l'ingénierie du droit musulman chez l'imam Malik ibn Anas, l'imam de Médine. Parmi ces 17 sources, il y a l'akhd bil-ahwat, c'est-à-dire prendre l'avis le plus scrupuleux pour préserver ta religion. Conformément à l'autre hadith, فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Celui qui évite les choses équivoques, douteuses, alors il préserve son honneur et sa religion par la même occasion. حَلَلْ اُبِيِّمْ Le halal est explicite et connu. Est clair, l'interdit, ce que Allah nous a interdit, il n'y a pas de doute là-dessus, ça a été clarifié conformément à Allah. Il vous a explicité ce qu'il vous a interdit, donc il n'y a pas de doute possible là-dessus. Il n'a pas tort à tout le monde, il est sauf contrat, nécessité, et la nécessité fait loi, on l'a dit. Donc l'interdit est clair, l'autorisé est clair, et entre les deux, bien sûr, il y a des choses ambiguës qu'il convient pour le croyant sincère d'éviter. Bon. L'akhdu bil-ahwat, c'est le fait de prendre l'avis qui t'apaise, qui est le plus scrupuleux, entre les avis des savants. Je donne des exemples. Un avis d'un savant qui dit que ceci est haram, et un avis d'autre savant qui dit non, non, ceci n'est pas haram et macro, c'est autorisé. Pour toi, l'ardu bil-ahwat, c'est prendre l'avis qui dit que c'est haram, pour éviter que tu tombes dans le haram. Et celui qui a pris l'avis de le savant n'est pas dans le péché, attention. Mais le scrupule voudrait que toi, ardu bil-ahwat, que tu prennes l'avis pour toi qui est dans ce sens-là, pour éviter, entre guillemets, tout risque. Très bien. L'inverse. Quand il y a un avis d'un savant qui dit ça c'est obligatoire et un autre avis qui dit ça c'est méritoire. C'est pas obligatoire, c'est mustahab. Ada rigoul kada wajib ou la khouli gouda mustahab. Khoud, nta, fi qararati nfsik, ma nfsik, hadak l'qawl, l'adhi yakoulu bil wujoub, hata sibrik, jtina, tertah. Toi tu prends l'avis qui dit que c'est wajib, que c'est obligatoire. Bien sûr, pour de la lever l'ambiguïté et éviter tout risque. Vous avez compris ? L'akhdu bil-ahwat. Avec ismu, al-ulama, l'akhdu bil-ahwat. L'akhdu bil-ahwat. Aqlu liya. Parce que l'on a dit, c'est le tarayat, c'est toujours l'akhdu bil-ahwat. Bien. Troisième chose dans ce hadith. Wawisat ibn Ma'bad, j'a'ad rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa rasul sallam a kishfi alayhi. Arfouch bari. Gallu jik tas'alu alayhi bi. Gallu na'ad. شيء كشف يعرفوا شيء هذا من الغيبيات اللي ربي عطاها له هذا المربي راح ما يسأل به خبير مربي شيء تسأل قال نعم قال البر مطمئنة إلى نفس مطمئنة إلى القلب ويتم ما حكى في النفس وترد في السطر وإن أفتاك الناس وأفتوك
notre prophète alayhi salam, en tant que maître éducateur, en tant que mouzaki purificateur de ses disciples, il avait cette fonction, on l'a dit, rappelez-vous. Kitab, hikma, wayuzki. Il y a le livre, hikma sunna, wayuzki, les purifie. Cette fonction que beaucoup de gens oublient ou négligent, de tazkiya, purification. Wabisa ibn al-Ma'bad, un compagnon est venu le voir, et le prophète alayhi salat wa salam lui dit, tu es venu m'interroger sur le bien, sur ce qui est le bien. Wabisa ibn al-Ma'bad, il n'a pas encore parlé. Hein. Mais le prophète lui dit, voilà, tu es venu m'interroger sur ça et ça. Il lui dit, oui, effectivement, je suis venu t'interroger sur ça. Et le prophète alayhi salam de lui répondre, alors sache que le bien, c'est ce qui donne à ton cœur l'apaisement. Et le péché, c'est ce qui met en toi le trouble et le doute. Même si les gens doctent, te donnent des fatwas pour t'apaiser. Sftiq al-Baki, dans un autre hadith, Sftiq al-Baki, demande la fatwa à ton cœur. Oui, l'afta ou quoi, l'afta. Sftiq al-Baki. Demande la fatwa à ton cœur. C'est pour ça qu'on a dans l'islam ce qu'on appelle l'istikhara ou l'istishara li marqna al-qarar. On a l'istikhara, c'est-à-dire cette prière de deux rak'as qu'on peut faire de jour comme de nuit, il est en arabe, pour exposer à Allah tabaraka wa ta'ala ce qui relève de notre indécision, pour qu'il nous guide par sa lumière vers la bonne décision. Et notre prophète nous a appris le dua de cette sikhara. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi wa astaghfiruka bi qudrati wa as'aluka bi fadlika al-'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr tusmi khayran li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma ardini bihi. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. والله تبارك وتعالى سيلقي في قلبك ما شاء أن يلقي. وهذا هو لكي تسمى الاستخارة. الاستخارة هي تسأل عن الخبرة. دونك سا سي الاستخارة. Tu peux la répéter en contre facture sans limitation. Jusqu'à ce que tu puisses avoir, Inch'Allah, cette lumière, cet indicateur, cette indication, Inch'Allah, vers la bonne chose, et tu ne regretteras pas. Mahaba manistakhar, wa ala nadima manistakhar. Et puis l'istikhara, c'est demander aux experts du domaine leur avis éclairé, les gens sincères et experts du domaine. Voilà. Pour avoir une telle décision. Et donc, je disais, nous nous remettons à Allah, tabaraka wa ta'ala, et même parfois, après avoir posé la question aux gens doctes, aux gens savants, il reste cet organe subtil qui est le cœur, que tu ne dois pas occulter, que tu ne dois pas négliger. On a parlé beaucoup du cœur et on a vu les 40 hadiths concernant le cœur, 40 hadiths qalbiyya. C'est « wa latifatun rabbaniya ». Je ne parle pas du cœur au sens chair, au sens anatomique. Je parle du cœur spirituel. Cette basira, cette sagacité, cette clairvoyance qu'on a en nous, cette petite lumière qu'on a en nous, à l'intérieur, quand elle n'est pas encore aveuglée, scellée, wa l'ayadu billah, comme l'est le cœur des hypocrites et des négateurs, le croyant sincère, il doit aussi laisser allumer cette lumière du cœur et l'entretenir, évidemment, pour qu'il puisse revenir à ce cœur, qui est le réceptacle de la foi. Et le réceptacle des lumières divines. Wa mahallu talqi al-qalb. Mahall talqi fid-dunya. Mahall talqi mad. Talqi al-ruh. Talqi al-asrar. Talqi al-ulum lad-dunya. Ila kan tahir. Ila tahir. Ila ma ammartish bil-adghar wa al-ahqad wa al-hasad wa al-riya wa ila dhalika min al-amrad al-batina wa al-'iyad billah. S'il n'est pas voilé par les maladies intérieure, telle l'ostentation, l'orgueil, etc. C'est un réceptacle très précieux qui te permet de recevoir ces lumières, ces secrets, ces sagesses, ces bénédictions, et d'avoir, entre guillemets, cette réaction positive
vis-à-vis de telle ou telle chose. Positif ou négatif. Vis-à-vis de telle ou telle chose. Et te permettre de décider. On a dit que c'est le roi des membres aussi. Amir ou Jassem. Il a dit que c'est le roi des membres aussi. بالعبادتي أعضاء ما شفت بالعبادتي أعضاء كما قال إمام القاضي الشيخ أبو صيرا رحمة الله عليه يعني. إذا هذا أمر مهم جدا يرجع الإنسان القلب ديالو ما يقولكش راه قال لي العالم الفلاني ولا الإمام الفلاني مشي دير ما بغيتي لا رجع القلب لأن ربي غيسولك تقولوش راه قال لي فلان أنت والقلب ديالك أنت شنو كدير أنت ما يمكنش شي واحد يحلل لك الحرام ولا يحلل لك الحلال ولا يحلل لك الحرام ولا يحرم لك الحلال ما يمكنش تي دوا مالغري les réponses, tu dois consulter ce cœur, tu dois chercher cet apaisement, cette quiétude par rapport à cette décision. La décision qui te met dans le trouble, évite-la. La décision qui te met dans le doute, évite-la. Et pour finir, il y a deux choses qu'on ne voit pas malheureusement chez les musulmans d'aujourd'hui. L'une, on va la voir dans le khutba, qui est husnu su'al, la bonne question. Husnu su'al, bonne question. Poser la bonne question aux bonnes personnes. Et que c'est Ibn Ajir fi al-Mihi, wa yuqifu al-umur hatta ya'lama Allah fi an-nabi yahkam. Wa yuqifu hadha mumit sadiq. Wa yuqifu al-umur hatta ya'lama Allah fi an-nabi yahkam. Le croyant sincère, qu'est-ce qu'il fait? Face à une situation ou quelque chose qu'il ne sait pas, c'est pas si c'est halal ou haram. Il s'arrête, il ne fait pas, il s'arrête. Jusqu'à ce qu'ils connaissent ce que Allah a dit à ce niveau-là en posant la question aux bonnes personnes. Le ulam, qui sont les héritiers des profs. Yuqif al-umr. Je crois qu'il y a un l'humain. L'humain, c'est qu'il y a un l'humain, il 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 y a un سولني قبل لا تفعل ماشي تفعل وتقضي الغراض وتتبعتي الهوى ديال النفس ديالك وجاي باش نلقى باش نلقى انا نخرج جاي باش ندير لك انا نخرج هكذا انا وليت عندنا ما سوق الغفران ما كايناش في الدين ديالنا حتى يدير الفضيحه ويجي عندي انا يقول لي واه راني درت واش هذاك الشيء اللي درته ما قبل لا تسدي انت مشيتي سولتيها هي سولتي النفس لما ربيت وضعتيها جيتي معاها جيتي باش تسولني عاد انا من بعد استهزاء. Beaucoup de gens, malheureusement, il fait tout ce que son neuf, son âme charnelle lui dit de faire. Il suit son désir, il suit sa passion. Puis après, il vient me poser la question. Ah, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça y est, tu as déjà fait. Il fallait poser la question avant de faire. C'est ça le croyant sincère. Tu as un doute, tu ne sais pas. Pose d'abord la question aux bonnes personnes. Et fais l'istikhara, l'istikhara. Pour avoir cette guidance d'Allah, cette lumière d'Allah, cette bénédiction, cette baraka d'Allah. Mais si tu as déjà fait, tu as déjà suivi tes passions, ton neuf, ton âme charnelle, mais tu viens me... Pourquoi tu viens me déranger, m'embêter? Ça y est, c'est... Tu te moques de moi alors. Tu as déjà fait. Tu viens pour que je te dise, non mais, je ne peux pas mentir à Allah, je ne peux pas t'arranger les choses moi. C'est pas un deal, on n'est pas en deal là. C'est la religion d'Allah. Il n'y a pas de deal dans la religion d'Allah. Tu t'ébrouilles avec ton créateur. Tu te repentis à Allah. Mais la prochaine fois, tu demandes avant de faire. Tu demandes avant de faire, pas après avoir fait. Ça, c'est un. Deux. Et c'est ça le sens de ce hadith. Nas qui qalbou ala al-hiyal ou al-makharij. Hila. Hila ma Allah, ya akhi. Gouna miran ou tikran. Ils veulent faire comme ashab al-sabt. Les ruses avec Allah. Hali qu'il comme dit que le khatra wahed andou, mashallah, chaque souvenir dans le malaya. Sabine, n'est-ce qu'il y a un temps qui dit le virement le madame. Je me dis qu'il y a un temps qui est couché le nisab. Je suis là, l'âme. Rabbi, Allah, il y a un sirra wa akhfa. Sirra wa akhfa. Tu te fais là, Rabbi, tu te fais là, Rabbi. Hein? Zaka, il a quelques milliards dans le compte. Avant l'échéance, qu'est-ce qu'il fait? Fait un virement vers madame. Comme ça, il a pas de. Il croit qu'il a trompé Allah. Mais non, mais c'est quoi?
Donc, soyons plus intelligents. Allah, il connaît ton secret. Ce que tu fais, tu fais pour lui, pas pour eux. Ça, c'est très important. Donc, pour terminer, inshallah, et faire le inshallah, l'adhan, on a reçu des questions, comme d'habitude. Là, dans la boîte à idées, dans la boîte à questions, qui sont toujours des questions pertinentes. Alors, on nous demande de faire des rappels entre sourds une fois par mois. Inch'Allah, il y a un programme, comme je vous ai dit, Inch'Allah, qui est là. Ouais, d'abord, on a mis le Coran, il y a des enfants, je pense que c'est déjà fait avec notre frère Stionner, c'est notre frère Stionner. Alhamdulillah, c'est déjà fait. Et puis, il y a la question qui m'a été posée sur comment il s'appelle les gens qui se lèvent tard. Arfou le hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rafi al-Qalam, من هذاك الناس اللي ترفع عليهم القلم نائم حتى يستيقظ si tu t'es endormi sur une prière, dès que tu te lèves, la première chose à faire, le wudu et cette prière, c'est tout. Il n'y a pas de péché à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Allah nous dit, et notre prophète nous dit, le qalam, c'est-à-dire n'est pas jugé parmi les gens qui ne seront pas jugés, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. يدير على راسو العنف ولا حاجه الاستراحه الراحه حتى هي مهمه الاستي ماشي مشكل العيب هو انك راك فايق وراك تفرج مع فشنو وخلي الصلاه هذيك عيب هذيك هو انا ارتكبتي كبيره لان اخذتي الصلاه على وقتها من غير عذر اما راك العستي مريض ولا عيان العستي مش مشكل يا اخي راه وقع هذا الشيء في عهد الصحابه وفي عهد الرسول كانوا عزوب بعد ما دوز الصلاه وخلاص ماشي مشكل دار الانسان ما يبقاش يزير على رسول هذه كذلك أسئلة عليها كذلك من الأسئلة اللي كانت وقعت على الزكاة وديك الشيء عندنا واحد درنا ان فيشي ان بلاي ليست سور لو سيت سور لو باردون لو يوتيوب دو لا موسكي كي بارل دو لا زكاة تري 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 ان ديتاي بور سيل سي سو كي فول ابروند سو بيلي دو الاسلام اي بوف رونفينير ا سو ا سيت ا سي فيديو dans la playlist Zakat. Dernière chose que je voulais vous dire, le projet de notre mosquée, de notre grande mosquée, si on a des gens... Yannick, ça s'appelle quoi la ville? Pareil Vieille Poste. Si on a aujourd'hui des frères ou des sœurs qui viennent de Pareil Vieille Poste, ils doivent contacter le bureau de l'association parce qu'on est en train de faire une pétition pour pouvoir, Inch'Allah, Marrahim, faire accepter le projet de la mosquée, au moins dans cette ville, parce qu'il y a des gens qui sont hostiles à cette mosquée, dans cette ville. Donc, plus on est nombreux à manifester notre soutien à la construction de notre nouvelle mosquée à ce niveau-là, plus l'accord sera, bi'ilmillah, affirmé et abouti, inchallah. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des frères qui connaissent d'autres frères, ou s'il y a des frères d'ici, ils doivent, Inch'Allah, marahim, se connecter au bureau, Inch'Allah. S'ils ne sont pas ici, ils peuvent aussi envoyer un mail, n'est-ce pas, Yannick? Ils peuvent envoyer un mail à la mosquée. Comme ça, on se soutient, Inch'Allah, pour ce khair, pour ce grand bien qui est notre grand mosquée. Adhan, Inch'Allah.